Bonsoir. Au nom du comité d'organisation du colloque La poésie contre la poésie, je voudrais d'abord remercier Olivier Chaudançon et son équipe de nous accueillir, car en cette maison, la poésie retrouve son lieu. C'est le lieu d'un élargissement du colloque par le poème, pour le reprendre le mot de Jean-Christophe Bailly. Et en ce cas, il me semble qu'il s'agit d'un triple élargissement. Élargissement d'abord par la présence physique des poètes, par votre présence. Pendant cette longue période de confinement, l'ouverture du poème nous a manqué, sa respiration, sa légèreté contre l'esprit de sérieux, contre le langage technocratique, mais aussi sa gravité au moment où, pour reprendre le titre de Jacques Demarque, la vie nous a paru si volatile. Élargissement ensuite par la création. Dès l'origine, nous avons souhaité associer la création à la réflexion théorique, convaincus que la création produit des savoirs. Par la seront présentées ce soir, celles de femmes et d'hommes appartenant à des générations différentes, à chacune et à chacun des poètes que nous avons invités ce soir, nous voudrions demander contre quelle poésie elles ou ils écrivent. Les cinq poètes présents ce soir explorent chacune et chacun, à leur manière, dans leur œuvre poétique, les questions que nous nous posons dans le cadre de cette réflexion, qui part donc de l'expression de bataille, la haine de la poésie, mais aussi plus précisément les critiques de la poésie formulées par les poètes, les oppositions internes, les tentatives de sortie, d'élargissement du champ poétique. Haine de la poésie, poésie contre, post-poésie, anti-poète. Souvent, la poésie vient au monde dans la contradiction et l'obstacle. Pour s'émanciper d'une histoire trop lourde, explorer de nouvelles formes, de nouveaux médiums, reposer la question de sa définition pour se libérer d'un canon dominant. Nous sommes ravis de pouvoir écouter ce soir Lisette Lombé, Pierre Vinclair, Laure Gauthier, Jacques Demarque et Michel Métail pour faire vivre ensemble leurs textes corrosifs sur les planches de la Maison de la Poésie, l'espace d'une soirée, pour réinterroger ensemble ce désir des poètes de se positionner contre la poésie, tout contre elle. Pour commencer, nous allons accueillir Lisette Lombé. Artiste plurielle, passe frontière, Lisette Lombé déploie sa recherche artistique à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses espaces d'écriture et de lutte s'appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d'enseignante. En dérive des collages, des performances, des livres et des ateliers, passeur de rage et d'éros. Cofondatrice du collectif Elle Slam, elle a été récompensée en 2017 en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège pour sa démarche d'activiste et d'ambassadrice du slam aux quatre coins de la francophonie. Son dernier livre, Brûler, 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 paru aux éditions L'Iconoclaste et pour lequel elle a reçu le prix Grenade, en dit long sur sa poésie flamboyante et pyromane. Bonsoir. Merci pour votre présence précieuse. Quarante ans pour apprendre à reconnaître les signes. Être attentive, ça commence. Être attentive à comment ça commence. Levé aux aurores, picotement dans les jambes, envie de faire une série d'abdominaux, envie d'enchaîner cette série d'abdominaux avec une série de pompes et cette série de pompes avec une série d'étirements. Ça commence. Être attentive. Reconnaître les signes, absence de brume, absence de fatigue, vitalité inhabituelle, reliquat de jeunesse, ça commence. Et ce besoin de sortir, sortir, marcher, marcher, être attentive, le ténu, le terne qui s'anime, scintillement, griserie, comme sous extasie, la première, la toute première extasie, être attentive,
couleurs qui se complexifient, gris béton, gris bitume, gris biceps bandé sous le t-shirt de l'éboueur, œil grossissant tout à la loupe, relief sailli, grain de beauté, beauté de la clavicule, clavicule qui n'est que clavicule sans ce grain de beauté, marcher, marcher, tout me parle, tout m'alpague, marcher, marcher, une croix en albâtre, une classe vide, des confettis, une bassine, une plume de pie, un bourgeon, un boulon, un sac poubelle, le bouquet de rose, chaque épine de rose qui éventre le sac poubelle, marcher, 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 mousse entre les jointures, blancheur, dents, alignement des dents et alignement de la blancheur sous les affiches électorales. Tout me parle, tout m'alpague, bribes de conversation. La passante numéro 1 dit « on n'est pas dans un rêve ». La passante numéro 2 dit « les corps vieillissent ». La passante numéro 3 dit « mais tu attends quoi ?» Pour vivre, tout s'imprime, tout me parle, tout se tatoue sous ma poitrine. Il me suffit de marcher, 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 être assailli de lumière, être assailli de questions, être assailli, marcher, marcher, me laisser toucher, me laisser caresser. Torse du monde sur ma joue, fraîcheur, 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 fraîcheur du poteau, fraîcheur de la pierre, fraîcheur du capot de la voiture, souffle, 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 souffle dans ma nuque de skateuse à casquette à carreaux, marcher, marcher, cueillir, accueillir, détacher le fruit de l'arbre, détacher l'écorce, avaler l'arbre, avaler, avaler, avaler l'arbre, vite, et rentrer, 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 vite, rentrer, vite, vite, pour écrire ce qu'il en restera. Alors il te faut attraper un crayon, un bic, un marqueur, tout fera l'affaire. Sortir calepin, sortir cahier, sortir carnet, déchirer, bout de nappe, bout de carton, écrire, jeter, bout de texte, bout de phrase, beauté des patchworks, beauté des mosaïques, gribouillage frénétique, peur de perdre les images, peur de perdre, 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 peur de perdre les images, peur de perdre les échos, geste robot, geste robot, geste robot, 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 ne pas perdre, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas perdre, écrire, écrire, putain de point, putain de virgule, faire sauter, virgule, point, faire sauter, faire sauter, écrire, 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 accumulation gloutonne, matière, 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 terreau, 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 ne jamais jeter de terreau à la poubelle, terreau, matière, liste, liste, écrire, liste, 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 liste de synonymes, liste de contraires, liste de mots qui riment, liste de termes en argot, liste de mythes, liste de monstres, liste des objets que l'on peut perdre dans le fond des océans, traduction en différentes langues de cette liste d'objets que l'on peut perdre dans le fond des océans, liste des morts qui remontent à la surface des mémoires et qui demandent justice, noircir, noircir, vin blanc. Ce n'est plus une histoire avec un début et une fin, ce n'est pas encore un poème, vin blanc, écrire, écrire, écrire. Et quand ça grippe, quand ça ralentit, quand ça rementalise, changer de support, papier craft, papier calque, changer de format, changer la taille des lettres, changer épaisseur des mines, changer couleur des encres, vin blanc, écrire, écrire, rature, annotation, flèche, rature, annotation, flèche, 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 rature, annotation, vin blanc, grande récolte, vin blanc, grande récolte de mots. Grande récolte de mots. Et soigner cette récolte de mots, savourer cette récolte de mots, savourer le jaillissement pour tous ceux qui n'ont pas ce jaillissement, pour tous ceux qui ne trouvent plus le chemin de l'écriture, pour tous ceux qui sont bloqués, pour toutes ces pages blanches. Et penser à ces gens-là, penser à ce pays là-bas. On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres. Comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous,
Nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons mantra, mantra. Cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, apnée, souffle court, apnée, feuille blanche. Je peux écrire, je veux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prête à porter, prête à rapper, prête à slammer. Et puis soudain, ceux qui reviennent de là-bas parlent d'alignement foudroyant et de renaissance brutale. Soudain, ton poème est là, devant toi. Tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler. Certes, ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi. Coup de poing immobile au milieu des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, autour de lui. Écoute, oui, écoute, c'est une invitation. C'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Alors tu demandes à haute voix cet autre que toi, mais qui sont tous ces hommes ? Qui sont tous ces hommes qui se pressent dans mon nouveau texte ? Qui sont tous ces hommes ? Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille. Il en sort de partout, ça se bouscule à chaque paragraphe. Il en sort de partout. Hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, hashtag, hashtag. Il en sort de partout. Il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs, les « hé, mademoiselle », les plaquants, les planqués, les losers, les chasseurs, les pas vus, les pas pris. Et il y a l'oncle pansu, le baby-sit psychotique qui te course torse nu avec une fourche à la main, version trash de cache-cache, si je t'attrape, je t'empale. Et le coach de basket qui te coince dans le vestiaire, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille, la grande famille, la famille sans frontières, au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien ? Oui, tu demandes combien ? Tu demandes combien de femmes dans cette famille ? Combien de sœurs ? Combien de mères ? Combien de cousines ? Pour un seul de ces mecs restés impunis, tu demandes combien ? Combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances ? Combien de déglingués, de zombies, de désingués, de pommes pourries, de cramés, fêlés, fanés, foutus ? Combien de ventres morts, de fantômes, de fautives, de fins de filles, de fins de vie ? Combien ? Dites-moi, combien ? Combien ? Combien ? Combien ? Et puis, certains jours, on n'a pas envie de chiffres, on n'a plus envie de chiffres, on n'a pas envie de répondre à ce combien, on n'a pas envie que les personnes soient des chiffres, on voit des personnes, je vois des personnes, tu vois des personnes, tu vois des personnes, tu vois des personnes, tu vois des femmes, tu vois des êtres, tu vois des poètes, tu vois des poétesses. Voilà, tout ça d'où je parle, d'où je suis, sous mes paupières, je le sens. Mais si j'ouvrais les yeux, si je portais le front à l'horizon, je pourrais voir devant moi ce magnifique peuple de guerrières. Et je ne m'excuserai pas du mot guerrière, car c'est exactement ce que je verrais. Des casques, des scaphandres, de la limaille, des cuirasses, des cuissardes, de la riposte en ordre de bataille, des sabres, des kamikazes, des commandos et des épaulettes en ferraille précieuse. Voilà ce que je verrais. Un majestueux animal collectif, un gigantesque poisson aux écailles métalliques, avec chaque écaille femme, chaque écaille fille, chaque écaille mère, armé à sa manière pour riposter contre la violence du système. Parce que c'est le même système, oui, c'est le même système qui te demande d'être violé sans faire de vagues. Le même système qui te demande de te serrer la ceinture sans faire tout un ramdam autour de ta précarité. Le même système qui te demande de gerber, de vieillir, de crever, sans salir la moquette, le même système qui débaptise un tunnel Léopold II par-ci et qui rebaptise une place Lumumba par-là pour que tu fermes un peu ta gueule. Et c'est le même système qui s'accommode parfaitement, oui, mesdames et messieurs, parfaitement, le même système qui s'accommode parfaitement des centres fermés, des jungles, des bidonvilles sous le périph' et des enfants qui grelottent dans la boue et des hommes nus à ses frontières. Alors oui, d'accord, on écrit de beaux poèmes pour le 8 mars, mais so what ? Oui, d'accord. On se casse, mais pour aller où ? Pour dire quoi ?
Dire, dire, dire. Pour dire quoi ? Poétesse, poétesse, poète, poétesse, poétesse. Pour dire quoi ? Dire, redire, 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 redis, poétesse. Oui, redis-nous, poétesse, comment les sacrifices des parents et comment les livres empruntés à la bibliothèque peuvent sauver quelques adolescences du mépris de classe. Redis-nous, poétesse, redis-nous avec fierté d'où tu viens. Redis-nous que tu as grandi à la cité et que personne ne devrait avoir honte d'avoir grandi à la cité. Redis-nous, poétesse, redis-nous que c'est langue de feu contre langue de bois, souffle de la rue contre le chaud et le froid. Redis-nous, poétesse, que nous ne sommes pas là pour planquer les injustices derrière des arcs-en-ciel, que nous ne sommes pas là pour passer la brosse à reluire sur ce qui brille déjà. Redis-nous, poétesse, que nous ne sommes pas obligés de porter des marinières proprettes pour pouvoir parler d'éternité et que nous ne sommes pas obligés de chier des alexandrins pour être édités. Nous sommes de tous bords, de tout vent, de la fosse et de la fange. Nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire de ce pays d'où je viens. Oui, nos larmes ne s'étudient pas au conservatoire. Nos rires sont gras, nos manières excessives. Redis, poétesse, redis, bouche, sexe, sueur. Bouche, bouche, sexe, 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 sueur. Bouche, sexe, sueur, juste pour le plaisir. Et aussi parce que dans plein d'autres pays, tu valserais au trou, tu valserais en tôle, tu valserais en prison pour 100 fois moins que cela. Redis-nous ça, poétesse. Bouche, sexe, sueur, pour le plaisir. Et redis-nous aussi poésie. Poésie, redis-nous poésie chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme. Redis-nous poésie chaque fois que des plus jeunes que toi s'effondrent. Redis poésie pour chaque jeté par-dessus bord, pour chaque lancé dans les orties, pour chaque rangée dans le placard. Redis poésie et cramponne-toi, oui, cramponne-toi, cramponne-toi, cramponne-toi de toutes tes forces à l'humanité qui ne renonce en personne. Et même, poétesse, poète, poétesse, quand la poésie ne pourra absolument rien pour apaiser le premier chagrin d'amour de ton fils, même quand la poésie ne pourra absolument rien pour l'extirper de son petit scaphandre de tristesse, oui, poétesse, redis poésie, 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 redis poésie, même ce jour-là, surtout ce jour-là. À présent, vous allez écouter Pierre Vinclair, qui est déjà l'auteur de 17 livres, auxquels doivent être ajoutés un certain nombre de traductions. Je suis désolée, cette transition est un peu brutale. Pierre Vinclair a publié récemment La Sauvagerie. Et dans ce livre, il s'interroge sur ce que peut faire un poète en tant que poète, et c'est peut-être ce qui fait le lien avec ce qui précède. Contre la déploration, Pierre Vinclair affirme que la poésie d'aujourd'hui peut résister au langage technocratique à condition d'être, et les adjectifs sont sauvage, total, tendu, intéressant, tendu, rituel. Cette exigence passe par l'exigence d'une forme, celle de la structure de la Délie de Maurice Seine, faite de 10 ans. Mais pour être cette urne pour la sauvagerie, la poésie doit aussi être une action, et à condition d'être adressée. Et c'est cette forme adressée qu'il va nous proposer ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup. En effet, j'ai écrit un poème, j'ai écrit un texte qui comprend des poèmes expressément pour ce soir, donc pour vous. J'espère que vous m'excuserez de son caractère un peu frais parfois. Il s'appelle Le barrage verbois. Quand on m'a proposé de participer à cette soirée, il y avait un,
une opération sur un barrage qui se trouve à côté de chez moi, une opération d'abaissement du Rhône, j'habite à côté du Rhône. Et donc, pour enlever les sédiments, le barrage était ouvert et le flux du Rhône était à plein bloc, ce qui fait que d'un côté du barrage, il n'y avait plus d'eau, et puis de l'autre côté, il y avait tous les sédiments qui partaient. Le barrage Verbois. Les vents s'étaient mis à souffler. Les journalistes interviewaient le directeur comme tous les 4 ans pour l'abaissement partiel. Ce sont les sédiments de larves se déposant, s'accumulant, qui provoquent des risques d'inondation, criait-il, et des nuages gorgés de mauvaise foi rincèrent les arbres sentencieux. Les fils de l'électricité avaient menacé le soleil de le couper en tranches épaisses et il s'était enfui. Les bois flottaient, s'offraient, craquelant comme les défenses au milieu des fantômes de batraciens crevés. Il ne suggérait rien de ce qu'un éléphant ailleurs avait aimé. On parcourt le monde en pirogue et non en métaphore. Les fuligules, morillons, flottant sur les flaques croupies, ne comptaient pas sur un putride wasteland. Et la pêche au filet de bave ne ramenait que le nom des dernières bêtes que notre civilisation, sa propre chasse tirée, avait pu laisser derrière elle en s'en allant. Maintenant, les terres craquaient sous l'absence de fleuves, les spectateurs sur le barrage comme le pont d'un bateau échoué photographiaient, apitoyés. Allais-je articuler comme un dernier fragment d'élocution sensée dans mon carnet le chant du recommencement ? Je parcourais les berges dans tous sens, en amont, en aval du barrage, à mesurer la catastrophe aussi flottie. Du discours que le sec du fleuve ne tenait pas, ni sur l'amour, ni sur la poésie. Le barrage non plus, défense bâtie béton pour tirer des mouvements de l'eau, tranquillité d'esprit face aux inondations et profits électriques. Et les canards ? Ils imitaient leurs propriétés génériques. Eussent-ils mieux fait en hommage à l'apport de leur espèce à l'être, de se haïr ? Longtemps avant comme d'y pêcher, le traverser ou le descendre, acheminant les animaux, humains et marchandises aussi baignés, puis le gainer, béton de berge et barrage à tirer l'électricité, faisant frémir des lignes à haute tension grâce auxquelles tiennent les miennes. Longtemps avant, le Rhône n'avait pas de nom. Et le poème, dont la cérémonie singe recommencer alors qu'il s'appuie contre tout, doit contempler ce précédent humide avec humilité. Le niera-t-il en s'instruisant de son histoire ? Songera-t-il un monde sans eau à la surface sans reflet ? Qu'il se pose au milieu, imite le barrage à verboyer. Sur une scène, comme au pont d'un bateau, échoué, quelqu'un, ce n'est pas un acteur, s'avance, feignant ne rien devoir à ceux qui le précèdent, travail accumulé, angoisse dans les loges, sous les projecteurs aveuglants, allumés pour laisser dans l'ombre les conditions matérielles, machines, ses techniciens, sans lesquels il n'y aurait de spectacle. Sort-il de scène, après les applaudissements, demande « À quoi tiens-tu ?» Quoi qu'il réponde, le nid y restera nécessaire au drame. Conditions de néant qui s'ajoutent au matériel depuis lesquels ce verboiement, qui n'en est pas au commencement mais au déluge, nous en sommes protégés à la fois par de hautes barrières et par leur triangle danger. Leur pictogramme, indélébile rouge en train de se noyer sur la pancarte blanche, le Rhône hurlait d'immenses masses d'eau. On le contemple. On peut descendre de l'autre côté du barrage où le courant est asséché comme un poème moderne. Quelques cormorans flottent. Mais de ce côté-ci, l'eau en furie nous demeure interdite, se rue sur le delta de vaste Méditerranée d'où les nuages l'aspireront et la feront voler dans l'espace pour le grand cycle.
en rien ne va chercher l'allégorie. Faut-il remplacer la fiction par une dramatisation des contingences qui l'ont fait naître ? Je venais de conduire Amaël à l'école de Russin. J'étais assis dans ma voiture, c'était un lundi de fin mai, il pleuvait. J'assistais à l'abaissement partiel du fleuve, les eaux boueuses faisaient un bruit à réveiller les filles du Rhône. Des embruns s'enfuyaient, poussant leurs hurlements de boue jusqu'au pare-brise derrière lequel j'avais posé Paul Éluard, le premier livre de poèmes que j'avais lu 20 ans plus tôt, à la place du mort. Des alexandrins centenaires projetaient ainsi au banc des pages le néant, sur fond duquel... L'eau se jetait, sans ordre, en sachant aussi peu par quoi elle était appelée que truite des rapides, barbeaux, chevennes, gardons et ombres, lorsqu'un courant artificiel à l'entrée de la passe devant le parking les invitait hier encore à remonter de bassin en bassin, comme s'il n'y avait eu homme, béton ou électricité jusqu'à cette terre, ce jour à sec, peau trouée d'une femme d'âge mûr, désert. Tout ce qu'il avait pu tenir, le barrage l'avait lâché, et ce qui restait ressemblait à cette mort à laquelle on s'adosse par nécessité, béton puant où s'agrippaient les vases, algues en chevelure. Les maigres strophes regardaient l'ouvrage d'art immense ainsi qu'un adversaire à leur mesure. Son nom et son emplacement jouaient promesses et provocations. Sa silhouette massive, sa matière muette, fondations enfouies dans les steppes, grande aigrette et butor finissant d'hiberner dans l'objectif des ornithologues Azoum, gardés sur mon parking, s'accommodaient de sa présence. On dit que le barrage a profité aux oiseaux migrateurs. L'écriture, elle, essaie de les violer, en plantant le sexe des lettres dans des poupées de mots. L'amour, la poésie. Le Rhône ne hait pas le fleuve, mais il s'en pousse. Les eaux boueuses font un vacarme à lever les mortes sirènes que piquent les trilles des oiseaux sans tête de femme dans une mélodie que j'entends seule. Et les sédiments se bousculent pour s'entasser ailleurs, au fond des océans bleus comme un ciel où flottent des nuages de plastique. Le barrage ne s'intéresse pas aux images qu'il produit. La turbine est sans état d'âme, particulièrement aujourd'hui que même les eaux affolées de cercles déchirés et de rosaces hoquetants ne la font pas tourner alors. Enfin, le directeur a cessé de parler. Parce qu'il reconnaissait le drame comme un acteur à son cahier des charges savait qu'il déclamait, en se tournant au bon moment vers tel ou tel collègue, posant dans l'ordre une série d'objets linguistiques depuis la scène coupée par la caméra de journaliste, où les mouvements de son visage et ceux du texte en lui ne se nouaient plus guère. Les téléspectateurs assisteront à ce faux drame en déjeunant. Les mots rincés ne rouleront pas même le temps de l'abaissement, à peine celui du discours. L'acteur en veut. À voix très basse, d'argile et de calcaire, envoie des sédiments ou les reprend. De longs courants les ont portés jusqu'à mes pieds. Devrons-nous renoncer à nous attacher à la peau, au visage, à la surface de quelqu'un ? Ou celui qui essaie de s'approcher du cœur vibrant des créations se désencombre-t-il naturellement des oripeaux de mots ? Si je lance un pavé depuis le haut de ce barrage, cela ne fait pas ricochet. Au nord, il n'y a plus d'eau, au sud, c'est un torrent. Les signes extérieurs de ce que l'on désire, bientôt l'obstruent. Quelque chose aura-t-il eu lieu ? L'orage a éclaté. J'ai pu en témoigner dans ce parking au bord du Rhône. Cela suffira-t-il à exprimer quelque chose de la matière ? Des sentiments ? Du sentiment de la matière ?
Les signes incarnent-ils de l'être avec des mots ou la contrefaçon d'un silence vrai? Je n'écris ces questions que comme relais pour une contemplation cherchant ses médiations. L'ornithologue, avec son téléobjectif, dira « Oh, les oiseaux !» Il ne connaît que leur plumage et les poèmes qu'ils chantent dans une langue incompréhensible. Un chevalier guignette aussi fouille la vase pour picorer les vers des teppes de verbois. Les aiment-ils, les choses, sont revenus dans l'état tel qu'un locuteur se sent autorisé à parler d'autres. Le Rhône, comme la langue, se calme en aval du barrage après l'opération. Une vague providentielle de prose soulève le cœur des fuligules morillons, plus propres, offrant aux canards plus d'espace. Une chose, nettoyée, reprend son fonctionnement normal. Nous n'avons vu, dans l'abaissement partiel, la condition de négation des conditions mêmes d'un spectacle que par ignorance de l'hydrologie ou fait mine par goût de la fiction d'observation. Dans des jumelles imaginaires sur un carnet, c'est suffisant d'aimer ce qui nous tient quelques minutes dans un arrangement même quelconque, c'est ce à quoi l'on tient. Là, ce barrage, livre de Paul Éluard à tranche retournée à côté de moi quand j'allume le contact et que d'une seule caresse sur le volant je fais crisser les pneus dans la boue de fin mai. Le livre que je ne lis plus depuis 20 ans ne se referme pas encore, ne tombe pas. Maintenant je réponds au tambour de la pluie avec des gestes d'essuie-glace. Merci beaucoup. Nous allons accueillir maintenant Laure Gauthier. Poète et autrice multimédia, Laure Gauthier vit et écrit à Paris. Elle a publié récemment Je neige entre les mots de Villon chez Lanskine en 2018. Et elle a sorti un album transpoétique, Éclectique Cité, avec le collectif AC1058 en février 2021. Et en septembre sortira chez Lanskine Les corps caverneux. Elle conçoit ses textes comme des espaces de vigilance. Elle y interroge à la fois la place de la sensibilité, notamment de la voix et du toucher, dans un monde rationalisé à l'extrême, et la place du document et de l'archive dans l'expérience de la violence individuelle et collective. Elle pense la poésie comme un chant du hors-champ. Chaque texte publié est conçu comme un chantier qui appelle des réécritures multimédia pour des installations ou des pièces sonores. Aussi travaille-t-elle régulièrement en collaboration avec d'autres artistes, musiciens, compositrices. Ses explorations intermédiales, présentées dans des théâtres, musées, salles de concert, ne cessent d'interroger les frontières de ce que l'on nomme poésie. Merci. Oups. Dire les mots absents de la poésie de Villon, parler depuis les interstices entre ces mots, s'enfoncer dans la béance, faire entendre ce qui reste quand on met à terre les poèmes, le mouvement qui ondoie sous les mots ou juste avant les mots, cette impulsion d'écrire qui a été sienne. C'est le mouvement qui habite toute la poésie de Villon. Mais la décision, c'est de ne pas redire la ballade, ne pas redire les mots de la ballade, ni de refaire une biographie à partir de la ballade.
ne pas interpréter la sueur du vers pour en dire des faits, ne pas recueillir l'exsudation des strophes comme du miel, non. Plutôt chercher la neige avant la neige, lorsqu'elle se condense, encore dans le nuage, encore hybride entre eau et vapeur. C'est aussi regarder par les profondeurs de l'eau vers la surface de l'océan et voir se former la vague avant la vague, ou dire la côté de la vague. C'est ça l'idée. Être en travelling permanent depuis le hors-champ à équidistance entre la biographie et les œuvres complètes. J'admire la force d'un trait quand il dit aussi son absence ou son à côté. Or, Villon nous tend le blanc, nous tend les trous, les béances, les arrêts, les marges. Oui, je m'y engouffre et vois tout ce que j'y trouverai, le trou dans la glace, pour plonger sous la surface et voir ce qui l'irise. Oui, il y a chez lui toutes ces phrases abandonnées en route afin d'éviter que le vers ne se fige, ces coups de rame grammaticaux qui donnent autant de coups de pied dans la fourmilière de l'usage. Mouvement toujours à nouveau. Éviter chez lui la stase papier, préférer une phrase abandonnée à une phrase recueillie. Éviter le recueil de poésie, ne pas avoir l'obsession du recueil ni du papier. Pas celle du papier, Bible, ne pas faire Pléiade, mais écrire oralement, ce mouvement entre dire et écrire qui est obsédant. Il y a pour l'œuvre de Villon une obsession biographique, reconstituer les chairs du poète à partir des empreintes des vers, sonoriser sa voix. Villon guimauve, Villon excrément, Villon souillé. La biographie a remplacé la vie d'écrire. Alors redire les pierres que l'on trouve dans des textes compostels, chaque étape du pèlerin lecteur balisé. On évolue du vol du collège de Navarre au meurtre de Philippe Sermoise, l'exil, les coquillards, leur procès, et puis la grosse Margot, ou encore l'histoire de la pierre du paix au diable. En parlant d'un la tête de l'eau ou plongez-vous les pupilles dans l'onde. Que reste-t-il des actes actés aux archives qui ne disent pas plus qu'eux-mêmes, pas moins non plus, de ce qu'on dépose d'un présent insaisissable dans des archives, ce qu'on laisse de fait authentifié. Acte sourd pour une mort muette. Et de ce silence de mort qu'on veut faire parler. Faire parler ? Comment ? Ce n'est pas du jeu que François Villon écrit. Il ne dit jamais « je suis François Villon ». Pas de complaisance ni de complainte, mais le jeu des jeux, des autres soi et des autres. Quand l'orage dans sa propre tasse gronde, il dit les tempêtes et les océans. Alors oui, se jouer des convenances, déjouer les déplorations du temps du sacre-saint poète au laurier, proverbialiser le pauvre Villon, idiomatiser son nom. Pauvre Villon, une fausse biographie pour une vraie lexie. Et le lecteur invité à emboîter le pas syntaxique et la question biographique éludée. Une fois son nom déposé en fin de strophe, Villon peut se disperser, s'immiscer partout ailleurs. Il expose son moi lyrique comme un faux matador, sort rouge sa muletta en plastique, l'offrant au taureau, l'heure grossier. Le taureau y croit-il ? Et le taureau lecteur peut décider de ne pas planter ses cornes dans le tissu brillant pour apercevoir la lumière derrière les oripeaux des pauvres et les œufs frits, pochés, perdus et de toutes les manières. Ne gisant pas à l'abri d'un patronyme, Villon a vite plus épluché les mots.
Si vos propres lettres ne sont pas sacrées, qu'est-ce qui le serait? Et si rythme il y a, ce n'est pas celui des objets légués. Posés à terre, sans cesse, à nouveau, mélodie ininterrompue des biens rejetés. Incessante question de ce qui va être légué, pour regarder le terrible présent en mode futur antérieur. Se demander donc ce que n'est pas la mort, ce que les mots retiennent. Ligne ininterrompue. Le lichen du bannissement m'étouffe. Le remous blanc de l'exil me portait d'île en île. Banni donc, motte de terre en bouche, sans son. Paris, c'était la berge, mais jamais d'Abyssinie. Pas d'autre vie enracinée, restée flanquée de trous blancs. Je ne veux que partir en langue, m'arracher toujours à nouveau aux pierres de la ville pour m'y échouer encore et partir. Je suis dans les mots, pas dans les phrases. Flocon, vent, lèvres, torture pourtant, et le souffle qui les lie, on doit, le vent qui m'emporte entre les mots, sous mes lèvres, condamné à rester 10 ans dans ces campagnes incertaines de fées et de villages de nature cultivée, que je ne veux chanter, mort bucolique alors, silencieuse, sans Afrique. La neige aussi nous déborde. Je marche dans le blanc, à toutes les angoisses et j'aperçois les rues de la ville sans congère, ma vie sans campagne, vers la place de grève. Le chat y va sans couvre-feu, pas feutré, et je souris sans gibet, traverse ignorant le Châtelet et suis les traces du chat. De côté, je vois bien un endroit où il neige moins, sur 1 ou 2 mètres, le pavé dégagé, protégé de ce que je ne vois. Et une trace jaune sur la fine pellicule. Je passe, étourdi devant mon présent gercé. Je pense à mon pillé encore chaud du vin qui fait un peu fondre le froid, crissement sourd. Ce que n'est pas la neige dans les livres. Il est toujours sorti vers un corps, jamais de la taverne au lit, de la Sorbonne à la taverne, du lit à la taverne. L'amour est son détour. On publie mes œuvres reliées avec du cuir comme on rassemble des livres saints, comme le sang coagule dans le bac de l'hommage, et personne donc pour déchirer le papier du verre dicte. Trop de brèches à colmater, mots mortiers retient, creuser ailleurs la faille de dire. J'écris toujours dans la neige. Me figure le doigt sans le froid
pour un mot inarticulé qui, magie blanche, s'écrit. Que reste-t-il quand on se départit du brillant ? Partir dans la langue pour se départir. Secouer le cocotier des préséances à coups de huitain. Se dédire du bruit de l'avoir tombant au sol. Je, blanc, suis arrivé te voir à 7 ans, les mains vides. Suis resté dans le murmure au chaud, près de toi à chuchoter tout ce que je n'avais pas, et à me balader léger sans obsession patrimoniale. Léguer, c'est dilapider. Lapider, c'est bien, pour les entendre résonner. Vide. La marmite léguée, ce n'est pas pour établir une lignée. Exister par-delà la terre et les ayants droit. Toi étant de travers. Être de mots et n'exister. Subsister à écrire. Blanc sur fond de terre. Même raide, motte en bouche. Laisser bruisser le mouvement entre les mots. Conçu par un père en terre et les baisers d'une mère maillon, la chaîne inachevée qui pend du cœur breloque, toujours se réchauffer d'écrire, partir, se départir dans l'exil des mots. Un meurtre fait grumeaux, il pleut quand je bois, il est ma sueur quand je suis hanche de désir. Vous pouvez pendre les laits par les pieds, rien ne sortira de leur poche. Et brandir les archives, vous ne savez rien. Et le tissu de l'oreiller est le souvenir des larmes à la première lumière du matin, qui fait torche autrement que la dernière du soir, car elle n'est pas vague et qu'elle éclaire les organes, et qu'on est humble et sans défense au souvenir à 6 heures. Et que le jour est plus lourd que les genoux, alors. Exhibez-vous les fibres de l'oreiller, le seul à qui j'ai parlé, entre les actes, entre les mots. Murmure à l'étoffe. Et pour tenir la fissure, j'ai dessiné des strophes le matin à la chaux vive, rempli la fiction de chair vivante. Entre les mots se passe ma vie blanche. Et si les coiffes et les gros poissons pourriront avec nos visages noirs, morts en terre, sans plus de lèvres, en lapidant les atours, reste l'amour. Jouer, c'est vous faire croire au hasard. Écrire, c'est vous faire croire au refrain, à la rose. Votre devenir rondeau, mais si je vous endors de strophes et vous caresse d'images, dans le dernier vers, je vous mets le nez dans l'usage. Et je ne serai jamais trouvert, je perds tout. Et allez, encore un vers de trop, trou dans la congère. J'arrache in extremis vos mélodies et les refrains, l'impuissance du vers qui n'a pas plus à dire que la carte qui se retourne avant de rejoindre la pioche. Suis sans arbre à la vie sans ombre. Je n'ai peur ni du vent, ni de la brise. Laissez-moi les noms communs que je rends propres, et puisque rien n'est sûr,
tout est possible. Et sans père, tout reste à dire. Je voudrais présenter maintenant Jacques de Marc sur la quatrième de couverture de son dernier ouvrage. On lit cette phrase : les oiseaux sont une chance à saisir à l'égal de l'amour. Aux oiseaux, Jacques de Marc a consacré une part importante de son œuvre poétique depuis Les Osios en 2008. Contre ce qu'il appelle la poésie, il prend le parti de l'humour mais aussi du savoir. Il se présente lui-même comme un traducteur d'oiseaux. Dans La vie volatile, leur envol permet le déplacement du lisible au visible. Il travaille sur les œuvres de Dubuffet, de Klee, de Kandinsky. Il permet l'élargissement des frontières, puisqu'une partie est consacrée aux Amériques, une autre intitulée d'Asie, une autre encore du Sénégal. Et il permet aussi une ouverture à d'autres temps, à Lascaux par exemple. Jacques de Marc est aussi traducteur de Cummings, Gertrude Stein et Andrea Zanzotto. Alors, je vais commencer par celui que beaucoup de poètes ont chanté, et je vais vous essayer de vous expliquer ce qu'il dit vraiment. Oh, trop tcho 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 tcho, bijou, filou, le rossignol. Tête pauvrette, elle serait prête, preste presque, à l'époussaillie, la plume qui mouille, émue, vume fortune, trop tout ce qui est plus chic, oui. Titoute, oui, écoute juste, cui-cui, suis. D'ores et mon crescendo d'organe vocal déjà promet le grelot. Gros comme mes pecs taureaux, dorsaux, dominos. Tâte-moi ça, oui, souris, droc le soc des raides, raides, ité, pousse, raide. Qui plus est pour le frichti, nul souci. Tout à Souville, territoire que suis, brio, proprio, à l'abri de ruines et débris, fruits qui bouiboui sonnent à gogo, stock au sec d'insectes pour les petits, et beaucoup de boue, d'eau, croupie, bio. Mdodo, missile, dni, simili, hyper, impec. Qué qui quip, l'ultime cri, dudu, vêt fibre à cri lyrique. Récu picoré sur le talus de l'usine de palto chimique, fuite en Chine, site éclos écolo suite aux délocalies. L'or toutes y trotte, en route chaque, qui sous guidou guigne sous, elle saute, il y cocotte dans mon 4x4, contact, cré-ré-rec, puis dieu de dieu, goûte-moi ce bruit, plein gazouillis. La démo motte les mots, mais les motifs sifflent. Suis riche pourri, te dit. Flûte illustre, ténébreux, beau, répépé, poétitif, ti rossi no, suffit qu'au top j'incante. Côté au CAC 40 des capiteux solistes, j't'accoste en autostop, et hop, en bagnole, pour mes roubles. Roupi, Roubignol. Alors, quelquefois, il y a des journalistes qui interrogent des poètes. Le journaliste est un tarier des prés, ici, et le poète est une alouette des champs. Elle répond au tarier des prés. C'est une sorte d'art poétique, si vous voulez. Tu peux, peu, preux, t'arrêt, de près, tout étudier.
au riche prix de rythme et bruit, m'éclipse et tout est dit. Je brise, bing, en mythe, le vieux dieu creux du truc lyrique qui vous dégougeline en guiligui sa vie, ville, virilité tiède, idée du viridique. Qu'une aile vienne à la strophe, estro, l'estropépier, je décide la niaise cécité du signifie, te ruine en rime l'ému mimique du communique. Dre, oui, di, du, tue, huit chip, tuti, tuitut, douillé, duvé, du discouru, je dégonille, porté nu, poétrip, en poétrie, je trille, trille le grimpe de l'ivresse, et plus diverse y fuit, plus dissolu mon dividu sa solitude, jusqu'à s'ouvrir au vide et chute en chuchutuie. Portrait du poète en pire ou en pijacasse. Tchac-a-tchac-ca-tchac, Jacques de Marc. Quoi que ça cache, ta tchatch. Ton simulacre en syllabes la blague qui plaque d'inapte charabia sur chaque ariade piaf. Ce débabillage maniaque des ramages parc ou package en aphrodite jack. Vague, viagrate, phrase, or, jack. Tout ça parce que, pas cap. Tu cales, alors tu calques. Volage qui dégoise des craques, parade, cavalcade, arnaque, lieu de passage à l'acte. Quoique, remarque, ta carne casque sous la casaque. Elle se renvoie en caricate, hure de tes plagiates, piaillages, t'as déjà l'axe dorsal qui se braque. Raide grave, des basques au colbac, ta carcasse semblable à volaille. Pas par hasard que face à chatte, t'as le trac qu'elle t'attrape. Par jacquemart et patatrac, ta bavarde réduite à couatte. Je parle pas de la palme à ta patte, qu'à la chasse on la canarde, ta barbac mal au plumard. En somme, Jacques, tu cauchemardes. Et Jacques Taclé, rat à tragaillarde, tchakake, rarara, etc. La suite, c'est l'enfance de la poésie. Donc, un chapitre de la Bible latine s'appelle « Du buffet, dure loupe ». Au printemps, ça piaille dans le cerisier et ça se gave. Ils bouffent tous les sales piafs, laisse que les queues et les noyaux. J'ai beau faire du raffut, ça fait qu'augmenter la cacophonie. Après, c'est le tour des groseilles, des cassis, des framboises. Grand-mère Dix qui bouffe, ça sera ça de moins à faire en confiture. Un jeudi, sans école, un copain, v'là qui sort un lance-pierre. Il dégomme un G puis un pivert. Leurs serles kiki font du jardin. On va se les rôtir, dit mon pote. Avec des brindilles, je t'allume un feu. Toi, tu les plumes et des boyotes. Dès que j'ai fini, il enroche les deux. Mais le bois sec manque. Lors, il m'arrache ma collecte de crayons carandache. Quand je goûte, c'est pas bon. Et j'ai plus qu'un bic rouge et un bleu pour dessiner le béret du pic et les rayures du G dans mon cahier de poésie. Poule, 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 picorait dans la cour, puis courait quand je les poursuivais, attiré par cette chouette couette coquette de couveuse au cul large et balourd, tortillant des froufrous pompadour. La cour était un long roman de 50 mètres au moins. Mais ça a été surtout mon cours préparatoire de poésie à poules chassées des boules de plumes qu'ont si peu l'idée d'un sens qu'elles les prennent tous à la godille. Fallait commencer par attraper le rythme, insinuer l'entortilleuse en des détours moins tordus, puis l'accélérer zou entre le bac à canard et une brouette mise exprès devant le noyer
pour la diriger vers le tas de fumier. Elle l'escaladait, si dératée qu'emportée par l'élan, elle perdait au sommet les pédales, bataillait des ailes dans le vide et passait en poussant des couacs à fendre le mur à ce niveau précisément qui s'effondrait, pour atterrir dans les choux et patates des voisins ou dénicher sûrement quelques beaux vers, sans S. Si grand-mère, alertée par les couacs, ne courait déjà récupérer sa volaille avant de me tirer l'oreille, poétique à force. Plume, poil, palme, piaille, pagaille, oublié, le boulet de l'espèce à la vitesse où déboule, venu les dépouilles aille et du moule, la poésie qui tourne boule, poule et poule verse au cœur un chant au destin chamboulé. Et pour finir, une sorte de manifeste ou d'anti-manifeste ou de contre-manifeste que j'ai écrit il y a 15 ans à propos de la grippe aviaire, pareillement chinoise, en vers ironiquement épique, à la façon d'Apollinaire. Le Méens. Et les poulets. Il faut reparler des poulets. Nous autres poètes qui sommes nés pour détruire les mondes, mais commençons depuis qu'au commencement je voulais qu'à décoller de la basse-cour les poules un peu se dévergondent. Sans poulets, pas de police, ni de doubillés, pas de civilité sans nom d'oiseau dont vache aussi fait folle partie avec la poésie que je m'apprête à empouler, magnifique pour celui qui lit et ceux qui entendent les paroles. Leur chair à la mie de pain sans saveur comme la démocratie a trépassé leurs 5 ou 10 semaines de mort, aussi coincé que matin soir dans les transports, le populaire qui les bouffera s'est staccanovisé d'ici au Berry, dévolatilisé par des obéissants qui sont racines des races et garants de l'assiette des sociétés, les paysans, sur qui pire qu'obus en 14 vont s'amassant des nuées que tout œil verra par caméra télévisée. L'engrillager, prêt à griller, se grippe. Et là, ma Chine, par un retour du jaune péril dans l'œuf industriel, l'été en Sibérie, l'automne via cybernétique chemine, et revoici l'aigle aboli qui de l'enfer vient donner des nouvelles. Des signes terribles emplissent déjà le ciel des hordes de canards très sauvages chient leur virus sur nos volailles. Nos oies blanches t'en frissonnent et nos pigeons n'accordent même plus foi au bout de gras que perroquet leur taille. Alors, pend sur le cul des grues roumaines achivant nos libidos, font feu sur tout ce qui vole des miliciens chasseurs, faute de pouvoir tirer le nègre ou autre birdie beurre. Cloîtrons à la cuisine la jante féminine des mangeuses de moineaux. Le pays va montrer ce qu'il a dans sa tripe à guerre, et comme le Christ à Pierre, Paul ou Jean l'a prédit, le ciel va dérouler le livre où tout n'est plus que cri, venu la fin des mots par-dessus mer, montagne et grammaire. Ô peuple, si une plume fait trembler nos conforts, ceux qui échapperont à la peste, l'épée, la famine, je les livrerai aux mains de Nabucodonosor, roi du baby clone et patron du holding des vaccines. Ainsi l'écrirons-nous qui sommes nés prompts à faire sa fête au monde, au rêve, à la réalité des vrais ou faux prophètes. C'est tout.
Et pour finir cette soirée, nous allons accueillir Michèle Métail. Créatrice de poèmes sonores, Michèle Métail diffuse ses textes depuis 1973 au cours de publications orales. La projection du mot dans l'espace représente pour elle le stade ultime de l'écriture. Elle prête une attention particulière au support de lecture, comme les longs rouleaux calligraphiés à l'encre de Chine avec des insertions peintes. L'inscription visuelle du texte dans l'espace se concrétise aussi chez elle dans la série des gigantes textes qu'elle a commencé en 1979 et qui ont été exposés récemment au Centre international de poésie de Marseille. Depuis 1998, elle publie également de nombreux livres sur le thème du paysage, souvent en relation avec la photographie. En 2018, elle a reçu le prix Bernard Hetzieck de poésie hors du livre au Centre Pompidou. Sa poésie en trois dimensions n'a de cesse, depuis des années déjà, de repousser les frontières du poétique pour inventer du nouveau. Le paysage après Wang Wei. 20 vues à traits superposés. Chine 2011. Apparaître aux éditions Lanskin. Légende du rouleau. Les insertions peintes reproduisent des noms de villes, de rues, à la manière des inscriptions verticales qui signalent un magasin, un hôtel, qui ornent les entrées de temples, de pavillons dans un jardin. Calligraphiés dans différents styles, celles sur fond noir imitent des inscriptions anciennes. Vue numéro 7. Dong Tajie, avenue de l'Est. Inutile de chercher, traces au passé trop lointain, celles du présent déjà s'effacent à grandes enjambées. Plan de Xi'an 2011, superposé au plan 1987, superposé à celui Chang'an, 8e siècle. Trois strates datées, comme en géologie. Restes des axes identifiables, des emplacements, la surélévation du niveau après enfouissement de ce qui précédait. Intersection avenue de l'Est, rue de la Libération, actionnée par une grue, une boule d'acier casse, fracasse, murs des habitations, mouvement lent, puissant, oscillation pesante du pendule suspendu à un fil. Et le temps file sur un pan déchiqueté, carrelage blanc d'une cuisine, revêtements effrités. Des murs ne supportent plus la fragilité de leurs briques, s'effondrent sous leur poids. Les bulldozers gravissent, montagnes de décombres, déclenchent des coulées, glissements, nuées de poussière. Ils évacuent matériaux mêlés, déchiquetés, recyclés, remblés. Nouvel ensevelissement dont les futurs archéologues ne sauront rien tirer. Les pâtés de maisons disparaissent, un à un. Le damier subit des distorsions, les alignements se défont, des rues sont gommées, la boule s'écrase contre un autre mur, bruit sourd. L'air chargé de particules devient irrespirable malgré l'arrosage des gravats. Rue de la Libération, rappel d'histoire récente,
1949. L'arrêt du bus conserve dans son nom une part de mémoire plus ancienne. Porte Juixiang, percée dans le rempart, édifiée sous les Ming, on connaît son tracé, l'épaisseur de briques, la terre jaune compactée. Tout a disparu. Les noms protègent-ils la ville de l'amnésie? Rue Tanche, encore sur le plan 1987, mutilé cul-de-sac, la plaque indique, double flèche, direction nord et sud, en vain, déconnecté, hors réseau, un mur monté à la hâte, la condamne, briques récupérées, à peine jointoyées, chicane à piétons, technique millénaire du mur-écran placé à l'entrée des maisons, empêcher les mauvais esprits de progresser. Eux ne connaissent que la ligne droite comme les urbanistes. L'ancienne rue passante, parking provisoire, les voitures, ça converge plus vers l'avenue. Grand axe de circulation, désengorge la ville, fluidifie, chicane à piétons, sert de dépotoir, pissotière la nuit. Vestige d'un mur blanchi à la chaux, ornement terre cuite grise, l'emplacement d'une maison, d'un jardin, mis à plat. Un aller-retour le long de l'avenue, et le plan récent, c'est plus d'actualité, remplacé par une feuille vierge. Accélération du tempo, repartir à zéro. Le trottoir opposé montre le futur, imposant quadrilatère, façade austère, une dizaine d'étages, 150 ou quelques fenêtres, grand noble hôtel, clame l'enseigne, jargon international comme la clientèle. Préfigure-t-il la ville à venir, rationnelle, sans fantaisie? Quand une maison dépasse pas un, deux étages, frappée du caractère chai, démolition. Bel idéogramme, à gauche une main, à droite une hache. Explicite, n'est-ce pas? De maison en maison, le caractère se répète, variation dans l'épaisseur du trait. Les proportions, traces du pinceau, le trait s'effiloche, coulure, le mot s'étire vers le bas, mouvement général de l'effondrement. Parfois, appliqué pochoir, geste mécanique, caractère reproduit tout au long de l'avenue, comme on voit aux frises de certaines pagodes, mille variations, idéogramme longévité. Démolition, à lire dans l'ondulation d'un rideau de fer sur une vitrine, collée sur les affiches qui recouvrent un mur, sur palissade en bois, près des boutiques, années 60, style moderne démodé, condamnés à fermer. Liquidation du stock, avant liquidation des bâtiments, jeans mal taillés, lacérés. Usure artificielle, fer vieux quand on va faire du neuf, moins 30%. Les vêtements s'empilent, ça ne s'arrache pas. Sac à main, matière synthétique, profusion de strass, fausses perles et clinquants, plastique doré, contrefaçon, 2C, Chanel, si facile à imiter. On les voit partout. Marchandises pêle-mêle, dans les bacs, sur le trottoir, couvertes de poussière, prises imbattables. La boule d'acier frappe, coup de gong, accélérer le pas, affronter le flot à contre-courant, ceux qui courent au plus moderne, dernière chance de voir une strate de la ville près de disparaître, image dérisoire, avant évacuation, camion benne, verpillé, gravat, diversité des sons. Courir quand la ville quitte le ras du sol. Le temps presse de regarder les filles des campagnes, rêveurs de vie urbaine, vendeuses d'une gaucherie naïve. Les illusions s'effondrent avec leurs boutiques. Côte à côte offraient ces mêmes produits, articles vite et mal faits, à remplacer souvent le commerce vivait.
La sono bastonne dans le grave, plus fort que la boule d'acier. Bientôt finis les emplettes au grand air, les braseros à roulettes posés au coin des rues, maïs grillé, patates douces, selon la saison. Un nouvel espace commercial va surgir, normes bêtement internationales, boutiques de luxe, marchandises mises en scène, plus de place pour les migrants des campagnes, relégués aux marges, accélérer le pas, les pâtés de maison attaqués un à un, les gravats dessinent un paysage, colline d'après bombardement, assainissement pour les urbanistes, un blanc sur le plan, désorienté, rien de repérable. Une nouvelle architecture sortira de l'exuvie. La ville est une entité instable. Le quartier renaîtra. Destruction, construction, dans un rythme effréné, expérimentation, grandeur, nature, d'alternance, yin-yang. Pourtant, perdure l'axe est-ouest, souvenir des différents marchés à l'époque des Tang. Un quartier commerçant se situait ici. Le plan 2011 est un palimpseste, comme tous ceux dessinés avant lui. Obsolescence programmée des villes. Aucun plan n'est à jour, juste un instantané, instant donné à l'illusion de la représentation.